Ok, avant de commencer cette vidéo, sache que tu peux acheter des VC, des MT et des boosts grâce au code YT sur MMO Rogue, le lien est dans la description. Et tout de suite, la vidéo. Yo les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chillax en mode décontracté sur un son d'un beatmaker, je vous mettrai de quoi le contacter et le découvrir dans la description. Aujourd'hui donc on se retrouve pour la création d'un big man, je vais vous montrer comment créer un Bill Russell. Bien sûr, Bill Russell, pivot légendaire, pour les plus jeunes, ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'était quelque chose. Alors, donc pour faire Bill Russell, il faut choisir le diagramme de défense et de finition. Ensuite, pour le profil physique, il faut que vous preniez le plus complet, par égal de force, d'agilité et de détente. Voilà, une fois que c'est fait, bien entendu, il faut être logique, il faut maxer un maximum de choses dans la finition et maxer un maximum de choses dans la défense et le rebond. Ce pivot, c'est l'archétype même d'un pivot à l'ancienne, comme moi personnellement j'aime, qui a un gros bagage sous le cercle, que ce soit en finition, donc tir de près, dunk sans élan, mais sans négliger quand même les dunks avec élan et les doubles pas en pénétration, mais ceux-là sont moins importants, capable de défendre sous le cercle, faire des inters, de contrer, de prendre ses rebonds, et surtout d'avoir un bon contrôle au poste, et bien entendu, des fades au poste. Donc finalement, vous avez besoin, comme je vous disais, de tout ce qu'a besoin un pivot, du jeu au poste, de la finition, et vous êtes un monstre en défense et au rebond. Pour la taille, donc comme je vous expliquais dans les précédentes vidéos pour le build de Paul George et de Kawhi, tout sur le papier vous encourage à baisser la taille, donc moi je suis allé à 2m11, bien que vous regardez à 2m10, c'est assez intéressant aussi. Malheureusement, sur 2K19, sur le papier, on vous encourageait aussi à faire plus petit, mais la physique du jeu faisait que sous le panier, c'était très important d'être le plus grand possible et d'avoir la plus grande envergure possible, peu importe vos stats. Il faudra attendre la sortie officielle de 2K20 et le jeu final pour voir si c'est le cas aussi. Pour le poids, j'ai augmenté à peine juste pour récupérer le petit point de défense intérieure qu'on a perdu en baissant la taille et de quoi récupérer un petit peu de force. Pour l'envergure, on reste sur de l'envergure. On reste sur l'envergure standard à 2m24. Et donc du coup, vous avez le choix entre le tech du rebondeur ou du défenseur. Ce qui vous donne un monstre de la raquette similaire à Andre Drummond, Hassan Whiteside et comme je vous le disais, Bill Russell, légende NBA. Voilà, sur ce les gars, je vous laisse. Il y aura très bientôt une vidéo sur un autre pivot et ensuite on s'attaquera au small man. N'oubliez pas votre pouce, un grand merci à chacun et chacune d'entre vous. Et voilà, à plus, ciao ciao. Bruh.